soir au Barp, c'est un aïre de fête. C'est la fête de toutes les familles barpaises et autres. Nous avons une dizaine d'associations qui nous proposent plein de très bonnes choses à manger. Du confit, des moules frites, du steak, des bonbons, des crêpes, plein de pâtisseries, plein de bonnes choses. Et puis nous avons aussi des bons groupes de musique. Alors c'est notre 10e édition. On voit que les Barpais sont toujours au rendez-vous. C'est un événement qu'ils apprécient particulièrement, puisque nous nous retrouvons à plus de 1000 personnes. Donc je pense que la soirée va être très belle et nous allons continuer comme ça. Ben, je viens déjà depuis pas mal d'années, depuis le premier, donc je ne sais plus la date à laquelle on venait, mais je viens ici surtout pour rencontrer les gens qu'on ne voit pas forcément sur le Barp. Le Barp devient une grande ville, une belle ville, et donc il est toujours agréable de venir à cette fête-là pour rencontrer tous les gens qu'on n'a pas le temps de voir tout au long de l'année. Donc j'aime beaucoup venir là, il y a plein de bodegas, on voit toutes les associations, et on écoute de la musique différente tous les ans. C'est vraiment très plaisant, j'encourage tout le monde à venir au moins une fois à cette fête. C'est vraiment la fête où il faut aller. Franchement, toujours aussi bien l'ambiance, elle est pas mal. Malgré le temps cette année, on garde une plutôt bonne ambiance et voilà. Tu trouves c'est comment toi? Franchement, le meilleur reste à venir. Pour le moment, bon, bah, il est encore tôt. Voilà. À voir à la nuit tombée. Et Malo, t'as un avis ou? Franchement, là on kiffe, hein. Là on est bien, tranquille. Hein.